pour cette 12e semaine de Force Express. 12e, ça veut dire qu'on arrive au milieu de ce programme. J'espère pour vous ça va bien. Si ça vous plaît, vous aimez la vidéo, vous la partagez, vous abonnez à la chaîne, vous activez les notifications, bref, vous savez comment ça fonctionne. Et on va attaquer tout de suite par un échauffement en haut. On va réveiller les cervicales. En arrière, d'un côté, de l'autre, on tourne et on recommence. On fait pareil pour les hanches. Donc, on part, les jambes écartées, les mains sur les hanches. On penche d'un côté. Quand on arrive au fond, on pousse, on fait trois étirements. On remonte, on va de l'autre côté. On pousse trois étirements et on refait ça 10 fois de chaque côté. Comme vous avez fini de faire craquer vos cervicales, on va s'occuper des lombaires. Donc on va commencer en partant sur le côté. Et pareil, on tire trois fois comme ça de l'autre côté. On refait ça 10 fois de chaque côté. Et on fait la même chose en se penchant cette fois-ci devant et non plus sur le côté. Il faut pareil de chaque côté. Allez, un peu de cardio. On commence avec de la course sur place, 30 secondes. C'est pas parce qu'on court les autres joueurs qu'il ne faut pas courir sur place pour s'échauffer. On n'en est quand même pas vraiment à courir encore, hein, désolé. Pas vraiment courir. Et voilà, on va en profiter. Ensuite, on saute sur place pendant des circonvolutions. Comme ça, ça fait travailler les poignets aussi. Puisqu'on en a à sauter, 30 secondes. De jumping jack, les sauts en étoile. Et enfin 30 secondes de twist, histoire de bien terminer l'échauffement du bas du dos. Superman, trois exercices sur le ventre. Le premier, les Superman croisés. Le deuxième, le demi Superman. Le troisième, on garde les bras tendus vers l'avant. On lève le tronc, on lève les bras, on ramène les bras à la nuque, on avance, on redescend le tronc. On remonte le tronc en s'appuyant sur les mains, on lève les bras, on ramène les bras à la nuque, on rallonge les bras, on pose les bras, on pose le tronc. Et on va faire 15 fois chaque exercice de Superman. Les abdos assis en appui sur les avant-bras et on pédale pendant, allez, on va essayer de tenir 3 minutes. On garde la même position de départ et on imagine qu'on passe les jambes au-dessus d'un tabouret et on va faire ça 20 fois de chaque côté. Et enfin, un crunch croisé, ce coup-ci, on part allongé. On va soulever les jambes et le tronc et on va se rapprocher. En contractant bien les abdos. Parfois, on travaille les pompes 10 fois.
un nouvel exercice, on va partir en position accroupie. Et on va se laisser tomber en se lançant vers l'avant. L'objectif étant d'arriver dans cette position. L'appui facial haut qu'on connaît. Et on refait ça 10 fois. On fait attention à ne pas glisser, à ne pas se faire mal. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des vraies pompes. Alors là, ce que je propose, c'est qu'on en fasse un sac. Puis je ramène le matelas. Hop. On barre le genou. Et on penche. On revient. On fait ça 20 fois. Ensuite, on fait des flexions pivotées. On vient mettre le genou à terre de chaque côté 20 fois. Et enfin, pour se terminer, on fait 15 grandes flexions. On va s'asseoir les fesses sur les talons. Voilà, on est arrivé au milieu de ce programme force et souplesse. Et ben j'espère que vous êtes fiers de vous si vous le suivez depuis le début. Et puis si ce n'est pas le cas, ben reprenez-le depuis le début. Et puis on se revoit demain pour courir. Et la semaine prochaine, après avoir fait 3 séances de ce programme-là, pour la suite de force et souplesse.